Ouais, mon François, ça va? Bon, écoute, je suis en galère là. Ouais, bah, je t'avais dit hier que j'avais un petit souci concernant la bande son. Tu sais que je m'inspire toujours de la musique, et puis bah voilà, j'ai deux trois trucs là, et je sais pas. Alors, je vais te faire écouter. Ouais, celui-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi aussi. Puis après, je me suis dit, bah, comme il est de Marseille, je vais mettre celui-là. Ouais, non plus. Bon, écoute, j'ai une petite idée, je raccroche et puis je teste et je te rappelle. À toute, bise, ciao. Quelle différence y a-t-il entre une bière et un breton? Vous avez 2 secondes. La bière existe sans alcool. Voilà, c'est tout. Il y a Oh, ça le mec aussi. qui fait du assistance mécanique, tu peux venir pour faire ça, mais je vais le faire quand même, par exemple. Ouais. Okay. Attends, on va aller boire une bière. Thank you.
je profite de la fin de cette vidéo pour vous expliquer un peu ce que vous avez vu dans l'ordre. Donc quand il y a eu un changement de musique et que vous avez vu les caméras embarquées, bon là on commençait à être dans le vif de sujet, vous l'avez vu. On a commencé par les essais libres, ensuite les essais chrono. À savoir que aux essais chrono, bah, on avait une taille de pneu qui était finalement, il s'avérait pas être la bonne. Merci à nos amis anglais qui nous ont donné l'information, parce que bah, ça a vraiment fait la différence au niveau de la course, si ce n'est que là, ouais, cette année, le plateau était vraiment affûté. Bravo à Bertrand pour ce magnifique travail sur le châssis. Il y a eu du boulot. Les pneus, je pense que ils sont pas mal du tout, c'est Dunlop. Et le moteur, voilà, il est formidable. Il y a eu un gros travail quand même de fait sur la voiture, et on le voit quand même d'une année sur l'autre. Moi, en tous les cas, pour faire le montage, je m'en rends bien compte. Et ça a été un super week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes bien imprégné de ce que vous pouvez vivre si vous allez un jour à Peter Auto sur une prestation, parce que c'est vraiment, ça vaut le coup. C'est comme le désert, faut le vivre au moins une fois dans sa vie pour bien comprendre ce qui se passe, et c'est franchement un régal, et personne n'est déçu. Encore un grand merci à Peter Auto. Et un grand merci à nos deux super pilotes, Mister Guérin et Mister Martini, qui nous ont régalé avec ces belles images, et tout au long du week-end, on s'est régalé. Merci les gars, ciao, bye bye, à bientôt. C'était une Saxo Clio. 606.